motherfucker. Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon premier entre guillemets épisode du nouveau petit concept que je viens d'imaginer. Ça va s'appeler les chroniques de Capi. Donc tout simplement ça va être l'histoire de ce que je fais avec mon yop et son évolution, tout simplement que vous puissiez suivre au fur et à mesure ce que je fais. Et là, il est actuellement au niveau 99, donc je l'ai commencé hier aux alentours de 5h, 6h je dirais. Donc déjà une énorme dédicace à Ultimate Fifou et à Dark Esper qui sont tout simplement les youtubeurs de la Fifou TV. Si vous ne connaissez pas, je mettrai la chaîne dans la description, qui m'ont aidé à monter du niveau 1 à 70 plus ou moins. Et aujourd'hui, et ben, tout simplement... j'ai continué à XP ici en profitant de mon XP x4 et du week-end double XP. Donc j'avais une XP plus ou moins de x6, donc c'est assez énorme. Regardez, là j'ai plus que l'XP x3. Regardez, j'ai 98, donc voilà de qui je parlais. Donc je vous prends cette vidéo tout simplement parce que on va upper niveau 100 ensemble. On va accepter les succès et voilà. Nous voilà niveau 100. Je vais leur dire. C'est parfait. On passe niveau 100, c'est toujours sympa. Je vais faire un screen pour le garder. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours un petit truc de passer niveau 100 avec un perso. Donc on a en plus un succès. On gagne 2007. Donc on est presque déjà niveau 101. On a même reçu un ornement qui est ici, voilà, on va l'accepter. Et donc voilà, pour l'élément du yop, tout simplement pour le monter, bah, je pensais le faire R en fait, mais au fur et à mesure je me suis dit que non, il fallait que je me fasse un jour un perso terre, parce que j'ai jamais de perso terre depuis que j'ai commencé Dofus. Donc je me suis dit, bah, cette fois-ci tu te forces, mais tu fais un perso terre. Donc je vais tout simplement essayer d'apprendre à jouer avec un Yopter tout en vous montrant comment il faut faire. Enfin, plein de choses. J'espère que, en tout cas, la série, à mon avis, elle va durer pas mal de temps parce que voilà, pour le moment, j'ai pas trop envie de jouer avec mon roublard. Certaines personnes savent pourquoi. Je dirais pas pourquoi parce que voilà, ça change rien de le savoir ou pas. Mais. Je suis en train de régler, enfin je suis en train de bouger tous mes sorts. Tout d'abord, je vais vous demander, mettez-moi dans les commentaires quel sort il faut que je monte en tant que Yopter. Donc tout simplement, moi je vais aller restat, enfin prochain épisode, je vais essayer de me stuffer avec une panoplie Chefbourg, un bed stuff tout simple, parce que j'ai pas énormément de kama non plus. Voilà, j'ai plus ou moins 600 000. Mais Darkra a des jetons Burker, une vingtaine, je dirais, pour moi. Donc il va me les donner. Il m'a dit, comme ça, je pourrais essayer de me faire une panne Burk. Et moi, je vous prendrai à l'épisode suivant pour faire tout simplement tous les défis, tous les succès, enfin toutes les choses que vous avez envie de me proposer. C'est vraiment, ça va être là, c'est une série comme ça où je vais jouer tout simplement, essayer de faire tout simplement, vous allez me dire, essayer de faire le succès, je sais pas moi, travailleur, de faire tous les succès de donjon de niveau 1 à 100, ou explorer des zones, enfin je sais pas moi, il y a plein de choses à faire maintenant dans Dofus. Et donc voilà, mais j'espère que le mini début de série vous a plu. Moi je vais continuer à XP un petit peu en attendant que Dark amène ses jetons. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous invite à mettre un commentaire pour, je vous le rappelle, de 1 me dire quel sort monter pour un Yopter parce que je connais pas trop. Quel stuff je pourrais faire parce que là j'imagine Panochev Bork, mais à mon avis.
Vu que j'ai l'XP multiplié, les niveaux, je vais monter assez rapidement. Vous pouvez me mettre aussi des défis ou des succès à faire. Enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez me proposer tout ce que vous voulez. J'essaierai de même faire des petites dédicaces aux personnes à qui j'ai choisi les défis. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas le pouce vert, hein, en dessous de la vidéo. C'est très important. Allez, salut à tous.